L'eczéma, également connu sous le nom de dermatite atopique, est une affection cutanée courante qui se caractérise par des rougeurs, des démangeaisons et des plaques sèches sur la peau. Les symptômes peuvent varier en intensité et en localisation, mais ils affectent souvent les mains, les bras, les jambes, le visage et le cou. L'eczéma peut être causé par divers facteurs, tels que des allergies, un système immunitaire affaibli, des irritants environnementaux, le stress et des changements hormonaux. Bien qu'il ne soit pas contagieux, l'eczéma peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes touchées, en raison des démangeaisons intenses et de l'inconfort qu'il provoque. Le traitement de l'eczéma dépend de la gravité et de la fréquence des symptômes. Il peut inclure l'utilisation de crèmes hydratantes, de médicaments topiques, de stéroïdes et de médicaments oraux. Il est également important de prendre des mesures pour éviter les déclencheurs de l'eczéma, tels que le stress, les irritants environnementaux et les allergènes. En résumé, l'eczéma est une affection cutanée courante qui peut causer des rougeurs, des démangeaisons et des plaques sèches sur la peau. Il est causé par divers facteurs et peut être traité avec des crèmes hydratantes, des médicaments topiques, des stéroïdes et des médicaments oraux. Il est également important d'éviter les déclencheurs de l'eczéma pour prévenir les symptômes. Mets un j'aime, pense à t'abonner et à regarder notre lien en bio pour plus de détails.